Ouais, on a été interrompu, on a eu une petite panne de connexion. Donc on reprend. Voyons voir. Alors, voilà. On va se remettre sur ça sur Twitter. C'est bon, ça marche. Ça marche. Ok. Allez, on est reparti. Donc, j'en étais à tuer ces putains de mecs. Ah putain. Ah, bordel. Il crève un moment ou. Ah putain. Ah, c'est moi qui en veux, hein. Nom de Dieu! Deux coups de poing, je suis mort. Ah, ils sont chauds, hein. Oh, ah, génial. Reste derrière, les laisse pas s'approcher. Les grenades. Putain. Continue de tirer. La vache. Ils sont chauds, les mecs. Ah putain! Dégage, dégage, dégage! Putain! Bordel de merde! Mais crève! Mais tu vas crever! Oh mais je suis mort là! Ah putain! Ah putain! Ah enfin! Ah il y en a un autre! Bordel de merde! Ah putain! Bordel de merde! Ah putain! Ah ah! Ah, il est chaud lui, il est chaud lui. Ah bordel! Je commence à me souvenir de la fin du jeu. Ça va être super chaud en fait. Ah! Il est où lui? Allez, t'es où? T'es où? T'es là. Ah bordel, je l'ai eu pas eu. Ah ouais, non mais c'était lui ou moi là. Ah, faut tout recommencer. Mais toi, Gouma. On parle pas de la Gouma des gens en public. On parlera de Gouma plus tard si tu veux. On se connaît pas, ou c'est perso. Non mais peut-être qu'avec 150 balles, au bout d'un moment, il va crever. Je sais pas, mais. Putain! Bordel de merde! Parce que là, Manu, laisse tomber, quoi. Ah, bordel de putain! J'ai pas d'endroit pour me cacher, fais chier. Casser les couilles, les mecs. Bah, je vais mettre en face. Toi, t'es plus tranquille. Ah non, mais toi, t'es un chou, hein. Toi, t'es un chou de la bite, hein. Et si j'essaye comme ça? Non, ouais. On sait jamais, sur malentendu. Je peux peut-être te péter la gueule. Bah, non. Non, mais viens. Viens, machin, voilà. Putain, pas te faire foutre, quoi. Reste derrière, les laisse pas t'approcher. Hop là, voilà. Voilà. Allez, viens, je t'attends. Viens, je t'attends, connard.
Aucun problème. Elles sont immortelles, de toute façon, on s'en fout. Allez, faut juste qu'il y en ait un qui crève. Et après je prends son sa putain d'arbalète. Putain! Il est mort. Voilà. Ah ah. Oh putain. Ah ah. Lui il est chaud. Lui il est chaud. Lui il est très chaud. C'est explosif. Bien sûr que c'est explosif. Il est où? Il est où lui? Il est en face. Bah rapproche-toi. Putain! Attention! Bien sûr, il vise comme un dieu. Wouah! C'est bon? Il va nous falloir des armes plus puissantes que ça. Évidemment. Plus puissante qu'une arbalète, t'auras pas. T'auras pas plus fort qu'une arbalète dans ce putain de jeu. Et je crois que j'ai pris le maximum là déjà. Putain. Ah, c'était chaud! Juste ces trois connards, c'était chaud. Par contre. Non. Arbalète. Et crois-moi, arbalète. Laisse tomber. Entre 200 balles de. D'AK-47 et une arbalète, je prends l'arbalète. Va te faire foutre un œuf. Hop. Oui, ça passe. Je sais pas ce que vous faites en bas les filles, mais... Il y a des bruits vraiment étranges. Pourquoi... Voilà, comme ça. Allez, t'es capable de sauter ça. Et t'as pas de munitions, toi? Putain. Grenade. Comment ça va derrière? On arrive. Attention. Quoi attention? Là tu vois là je pensais qu'il y aurait des mecs. Hey, c'est de la sève, ça ressemble à la résine. Donc c'est explosif. Flammable. On se recule. C'est quoi ce bordel? Oh bon sang, c'est quoi ça? La sève est inflammable, tout comme la résine qu'on a trouvée. Ah, génial. Un avertissement la prochaine fois, ça serait pas mal. Je t'emmerde. J'ai fait tomber un trésor. Je suis un grand explorateur. Je suis un aventurier de l'amour. Ok, pas de problème. Ok. No problemo. No problemo. Ouais, ok. Voilà. Ah. Tout bonnement. Tout simplement. Voilà qui fait plaisir. On y va. Peut-être que je peux sauter là. Ouais. Alors. Putain, les deux derniers niveaux, c'est les plus durs. Je pensais mettre de la musique là en fond, mais je suis tellement concentré sur le jeu que... Oh, ça me semble familier. Et bien sûr, c'est sûrement l'endroit où se trouve la pierre de Chine. Oh, oui, je me souviens de cette map. Oh, putain, non. C'est hyper chaud, là. Cet endroit devait être vraiment impressionnant à l'époque. Tout calme. Ça m'a l'air un peu hanté, hein? J'aurais pas dû prendre l'arbalète. Il va y avoir plein de mecs.
Mais ils sont où les gars? Bizarre. Bon. Là ça va pas marcher là. On a de la compagnie. Encore. Voilà. Je t'avais dit, c'était beaucoup trop calme. Ils nous ont peut-être pas encore vus. Elena, reviens. Bah, elle est juste à côté de toi. Ça grouille de soldats par ici. J'en vois pas un. Comment vous savez? Vous avez un putain de sixième sens? De toute façon, je crois que les filles, elles... Ah putain! Il y en a un qui m'a vu, mais je sais pas où. Ah, il est là! Je suis con. Et bah, c'est reparti! Oula, grosse mitraillette! Grosse mitraillette! Oh putain! Il faut sérieusement pas rester là. Je vous promets, c'est pas une bonne idée. Wow! Sniper lance-roquette. Ah! Non, c'est mort, c'est mort. Impossible de survivre là. Mais laisse tomber, laisse tomber. Comment je suis encore vivant? C'est impossible. C'est impossible que je suis encore vivant. Putain! Drake! Putain de merde! Ah, bordel! Je sais qu'il est là. Ah putain, vous me faites chier là. Putain, mais les deux pires viseurs du monde. Ah! Chaud les mecs. Prenez ça. Il a plus de munitions. Eh merde. Ah, dans les munitions j'en trouve, hein. Tu vois, je fais trois pas, je tombe dessus. C'est pas vraiment le problème, les munitions. Le problème, c'est se cacher. Je tousse comme un porc. C'est tout. Bon, là je suis à découvert normalement. Alors.
Ah bah voilà. Non mais moi ce que je cherche c'est méga mitrailleuse. Il doit pas être bien loin. À moins qu'il soit mort. Je pense pas. Bah, il est où ce con? Il s'est paumé ou quoi? Ah! Attrape ça! Attention! Putain, il est chaud lui. Hein. Ah! Enfin! Voilà! Donc maintenant, on va arrêter de me casser les couilles. Et maintenant! Maintenant que j'ai ça. Oh putain! Putain, vous êtes chaud! Ah, oh, nom de Dieu, ça s'est enchaîné direct! Je pouvais pas me cacher! Attends, on va recommencer au début des mecs? Non. Non, on va recommencer à. Voilà, c'est bon. Mais c'est là où l'arbalète elle va manquer. C'est parti. Oh, putain! Je les ai pas vu venir. Trop rapide, trop rapide. Ils sont très 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 rapides. Et je suis très très lent. Bon, il y a une arbalète là-bas déjà. Merde. Faut vite se casser d'ici, sinon on est mort. Arbalète, l'arbalète, la putain d'arbalète. Ah ah! Il est là. Ah putain! Nom de Dieu de Jedi, la putain de merde! Oh bordel! Putain. Ah ah. Ça sert à rien. C'est bon? Ok. Oh, c'est chaud. C'est putain de chaud. Et ensuite il y a pire je crois. Je crois me souvenir qu'il y a pire. C'est genre une des phases les plus chaudes de tous les Uncharted. Bah oui, ça bloque. Évidemment que c'est coincé. Il manque l'autre contrepoids. Bon, tu m'as l'air d'avoir la bonne taille. C'est drôle. Et il y en a pas une qui peut se bouger le cul? Non? Vraiment? Comment je fais pour arriver là-haut? Ah, par là. Très bien, je m'y mets. Très bien, on y va. Allez. Toi, tu pousses ça. Et là, ça devient terrible après. Mais terrible. J'ai le vague souvenir de deux phases de jeu. Voilà, ça sous la pluie. On va prendre ça parce que là, ça va grouiller de mecs. Tiens, ils sont juste là. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es trop conne, ma parole. Dégagez! Bien sûr. Pour l'amour de Dieu. Ah, va te faire enculer. Tu peux rien foutre. Y'a rien pour se cacher, une fois que tu descends, c'est mort. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais essayer quand même. L'approche subtile.
Ils sont là. Oh putain. Mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Putain de merde. Qu'est-ce que tu veux foutre? Ah putain, non mais pitié là. Mais arrête, sérieux, je peux rien faire. Va te faire foutre, putain. Oh. Putain de jeu de merde là. Allez vous faire enculer. Tous autant que vous êtes là. Ah, fais chier. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai rien, j'ai rien, j'ai que dalle. Pas d'autre arme, rien. Faudrait tuer l'autre con d'abord. Très bien, pas de triche. Mais cache-toi, putain. C'est lui qu'il faut viser. J'ai plus rien moi, donc allez-y, butez-le parce que moi j'ai rien. Plein cul. Ah putain! Il se cachait juste derrière, le fils de pute! Le fils de pute total! Allez, moi aussi je peux jouer ça! On se cache, on se cache! Massacre. Font buter combien, nom de Dieu, j'en suis à combien? 813 mecs. 813 mecs. C'est infernal. Ah ah. Un sniper en moi. C'est ce que je veux. C'est des balles de flingue. Non. Que de la mitraillette. Ce stade du jeu, il n'y a plus de flingue. Ah ouais, mais ça va me servir à quoi maintenant? Il n'y a même plus de mecs. Mais il y a forcément des mecs qui vont arriver. Voilà. Attention. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, mais moi aussi j'ai un lance-grenade, connard. Moi aussi je peux jouer à ça. Voilà. Ah.
C'est bon là ? C'est bon là ? Trois roquettes dans la gueule, fils de pute ! Ça va vous ? Ouais. Faut arrêter de casser les couilles un moment ? Putain, connard ! On va finir ce putain de jeu à bout de bras. Regardez le lance-grenade. Mais fais gaffe ! À quoi ? Plein de cul de faire gaffe. C'est bon ? On va devoir grimper là-dessus. On va utiliser le chariot. Et voilà. Ah putain, j'en peux plus. Les niveaux les plus longs du jeu. Ça fera l'affaire. Beau travail, les gars. Merci de ton aide, Chloé. N'en parle pas. Allez, on y est presque. Oh. Le voilà. La tour. La dernière tour. C'est là, nom de Dieu. J'ai un souvenir de l'avoir fini en extrême et... putain de merde. Oh là là, j'ai pas envie. À couvert. Bah... Il y a des gardiens par ici. Et si on les laissait s'entretuer ? Ça ferait moins de mecs à buter. Moi, je suis curieux de savoir qui gagne. Regarde. Hop. Ils ont l'air de s'entendre. Je pense qu'on devrait rester là. Tu vois, entre méga mitraillette. Oh putain ! Méga mitraillette est mort. Je crois que les gardiens sont plus forts. Ah, ils m'ont vu. Ah putain! Nate! J'ai pas vu qu'il y avait un mec blindé. À couvert! Oula, il y a des gardiens par ici! Moi je suis de l'autre côté, les mecs, hein. On est bien d'accord? Voilà. Ah bah me tirez pas dessus, je suis de l'autre côté, connard. Oh putain! Ils sont sérieux. Tiens, regarde, on va tirer là-dessus. Bah oui, mais comme ça, ils s'en servent pas contre nous. Stratégie. Voilà, tu vois? Lui, il va faire chier, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des bruits de chat bizarres. Ah, je vais aller voir. Ah. Non, ça devait venir de dehors, je sais pas. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur, putain de merde. Après, je vais bouffer et me reposer. Oula, il y a des gardiens par ici. Non, mais ce qui est vraiment chaud, c'est les mecs blindés. Tu vois, une fois que j'ai le mec blindé, après, ça roule. D'ailleurs, regarde, je vais faire ça. Oh, joli. Voilà, là par exemple, ils font beaucoup moins chier.
Honnêtement, je sais même pas sur qui tirer là. Ah, une tête sur eux. Et voilà. Et arbalète maintenant. Qui qu'on bute? Alors on va jouer au qui qu'on bute. Lui il est chaud lui. Il se rapproche un peu trop à mon goût. Ah parce que si les deux te visent en même temps, laisse tomber quoi. Ouais. Au bout d'un moment. Alors, mec blindé. Voilà. Eh ben voilà. Les mecs blindés, tu leur mets ça dans la gueule. Oh putain. Elle sortait de nulle part. Elle sortait de nulle part, la roquette. De nulle part. Ah, oh, faut tout refaire. Oula, il y a des gardiens par ici. Oula, il y a des gardiens par ici. Oula. Alors, première technique pour se mettre à couvert. Se mettre du côté des gardiens. C'est une bonne technique. C'est un bon plan. Parce que personne ne te voit. Ouais, ouais, il y a un lance-grenade là-bas. Il est là-bas. Il est mort, il est là-bas. Si je le chope, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ah non, mais me visez pas non plus. Sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. Et donc, si je fais ça. Ça ne le bute pas. Là, ça le bute. Ah putain! Je me demandais juste s'il n'y avait pas d'autres mecs qui allaient sortir par là. Non? On dirait pas. Dans ce cas, on peut prendre ça. Ah ah! C'est la puissance de la funk! Eh ouais, ma gueule! No problème. Donne-moi un créneau et je le prends. Attention, ils ont des fondes. Oh putain. En voilà d'autres. Ah. Arbalète, arbalète. Exactement, crevez, enfoiré d'indigènes. On vient chez vous pour que vous vous colonisez et vous vous nous butez. Vous êtes vraiment ingrats. Un gras, deux gras, je vois trois gras. Encore vivant. Ah ah! Zut. Merde! Arbalète. Ok, c'est bon. Oh! Oh bon Dieu! Putain de bon Dieu! Bon bah voilà. Et je crois que c'est bon. Je crois que c'était la dernière phase de jeu avec des mecs à buter. Et on en est à 832 morts. Ah non, 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 après il y a un autre truc après. Et Jexibal. Doit bien se trouver quelque part. Allons voir par là-haut. Bah, allons voir par là-haut. On se débrouille au fur et à mesure. Ah,
Ah, j'en peux tellement plus. Encore une fois, très joli. Hein. Style post-renaissance avec le truc à des milliers d'années. On y va. Pourquoi pas. Lazarevitch, on sait pas où il est. Mais il survit, hein, lui, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, Mino ? Il y a un chat qui miaule. Ah, je vais aller voir mon chat qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a, espèce de gros chat ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Ah. Et oui, il faut s'occuper des chats en même temps qu'on joue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh là là. Super, on y est presque. Eh ben j'espère parce que j'en peux plus. Allez, dernière cinématique. La voilà, la pierre de Shintamani. J'arrive pas à croire. Je l'imaginais plus grosse. Elle est belle. Oui, elle est magnifique. Allez, on l'éclate et on se casse d'ici. Attends. Il y a un truc qui cloche. Eh oui. Comment ça ? Marco Polo s'est trompé. C'est pas un saphir, c'est de l'ambre. Et oui. De l'ambre. Ouais, tu sais, de la résine fossilisée. Qu'est-ce qu'on s'en fout. De la sève d'arbre. Et une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague ou quoi? Eh oh, Nate! Je déteste quand il fait ça. Ouais, m'en parle pas. Comment j'ai pu louper ça? Louper quoi? Il n'y a pas vraiment de pierre. C'est de la résine, de la sève de l'arbre de vie. Ok, attends, là je te suis plus. Cet arbre ? Non. Celui-là. Le plus grand arbre du monde. C'est la map voilà. Parfaite pour un boss de fin. Lazarevitch. Ah, nom de Dieu. L'arbre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quoi ? Les dents noires de ces espèces de gardiens et les corps à Bornéo. Ils ont mangé la résine et ça les a transformés. Tu crois que Lazarevitch prévoit de faire ça ? Tu veux vraiment rester dans le coin pour le savoir ? Pas vraiment. Bien joué. Flynn ? Ah bah qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon sang. Oh. Tu peux pas manger proprement ? Ça va pas mon pote ? Déçu que Lazarevitch soit arrivé le premier ? Ah il a une balle dans le cœur mais ça l'a pas tué parce que c'était pas une partie vitale. Je me suis dit que j'allais vous attendre. Il n'a touché aucun organe sensible. Mais de quoi tu parles ? C'est peut-être ce que Zoran voulait depuis le début. Il est plus futé qu'il en a l'air. On peut encore l'arrêter. Elena, non. Qu'est-ce que ce jeu est long ? Désolé, ma belle. On n'est pas dans un film. On est dans un jeu vidéo ? L'héroïne qui convertit le méchant et sauve le monde. Ça peut pas se passer comme ça. Flynn, écoute-moi. Tu... Cadeau d'adieu de Lazarevitch. Dommage, il y a plus de goupilles. Reviens ! Bon bah. Adieu, Harry. Non. Oh mon Dieu. Elena. Elle s'en tirera. Tout va s'arranger. Allez, on va te sortir de là. Non, arrêtez Lazarevitch. Allez-y. Pas de question. Allez. Ah, ça va être chaud. Ils sont par là ! Ah, bordel de merde. Je la tiens, couvre-nous. Bloquez leur planque ! Bon, par là. Lazarevitch. On doit faire sortir Elena. Ah, putain ! Je vais dégager la voie. Allez, ma belle, tu peux y arriver. Attends. Ah ! C'est ça. Et merde. Dégage. Mais va te faire foutre. Oh merde. Mais approchez, j'ai envie de vous dire. J'en ai rien à foutre. Et voilà. Faites-le sortir. D'abord les snipers. Super.
Mais faut être enculé. Aucun problème. C'est un couloir. Comment tu veux me perdre de vue? J'en ai plus rien à foutre. Non, toi. Allez, on avance. On doit bouger. Allez, tu peux y arriver. On a de la compagnie. Attention. En recul. En recul. Non, 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 pas un peu plus loin. Hein. Moi, je me remets là. Hein. J'en ai rien à foutre. Je suis très bien ici. Ah, évidemment. Évidemment qu'il y a de gros lourds. Deux blindés, bordel de merde. Comment il y a ça? Ouais. Ok. Ah mais... Tu me prends en plein milieu, bordel. Grenade ! Une balle. Trop de balles. On doit bouger. Allez, tu peux y arriver. On y va. Elena, ça va ? Je pensais pas qu'il y aurait encore d'autres mecs. 846. Allez, on va enjamber ça. Je vais tout filer en shotgun, tiens. Tu vas y arriver. Allez, un grand pas. Allez. Je crois que c'était le dernier. Ouais, je crois que c'était le dernier mec. Maintenant, Lazarevitch, et on finit ce putain de jeu. Comment ça va? Allez, il me faut un peu de musique, moi. J'en peux plus. Ça va aller. Je compte sur toi. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Aussi vite que possible. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Non. Pas question. Écoute. Je dois arrêter ça. Non, c'est faux. Je t'interdis de t'embarquer dans cette croisade stupide. Fais-la sortir d'ici. Pas sans toi. Écoute, si ce truc peut vraiment transformer Lazarevitch et son armée... Non, ne fais pas ça. Si ça peut le rendre invincible et que je n'essaie pas de l'en empêcher... Allez. Suicide. Et tu le sais. Mais non. Partez. Filez le plus loin possible de cet endroit. Lazarevitch, nous voilà. C'est parti. Oh bordel. Cinématique sur cinématique sur cinématique. On saute dedans. Et voilà, c'est Wolverine maintenant. Je suis maintenant beau. Drake. Faites le feu. Il est à moi. Désolé, l'ami. Vous n'êtes pas mon type.
Et voilà, tout est bien qui finit bien. Ouh. J'ai vraiment cru qu'il allait y avoir un boss de fin hyper chiant tué. Je suis vraiment rassuré. Ah oh, putain, Terminator. Non. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ta gueule, maman. J'ai ma vie. Alors là, qu'est-ce qu'on se met? C'est parti. Vous êtes prêts? Vous ne pouvez pas me battre. J'en ai vraiment sûr. Allez, viens par là, ma salope. Ah, mec. T'es où? Restez debout et battez-vous. Je fais ce que je veux. Hop là. Allez, viens par là, ma salope, et battez-vous. Putain, il est chaud. Oh oh. Vous allez mourir ici. Oui, c'est moi. Et battez-vous. Je fais ce que allez, je veux. Viens par là, ma salope. J'aime bien quand il traite de salope. Sac à PV. Gros sac à PV. Exactement, viens m'attraper. Je te baisse tellement. Vous allez mourir ici. Non. Et le mec il a rien suivi. Viens m'attraper. Viens, salope. Merde. Non. Boum, première phase vous terminée. Que vous pouvez m'arrêter. Ouais. Aïe, ça fait mal ça. Aïe. Merci de m'avoir envoyé plus loin, connard. C'était exactement mon plan. Oh putain! C'est vrai que la résine se régénère. Oh nom de Dieu! J'étais juste devant. Air de calcul. Allez! Allez, viens, connard. Approche. Ça fait rire, hein. Ça le fait rire. Moi aussi, ça me fait rire. Allez, let's ride! Ba 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 ba. Aïe aïe aïe. Si je te baise à main nue. Il m'attend. Trop aimable. Connard. Putain. Ah bordel de merde. Chier. Plus focus que ça. Bah oui, bon. Faut bien que je passe quelque part, moi.
lente. Oh. Ah bah là il est mort. Vous allez mourir ici. Mais pas du tout. Absolument pas. Je te permets pas. Amenez-vous. Non. Toi viens. Ah la grenade c'est pas mal sinon. Ah putain! Oh mais là il était tellement près! Viens m'attraper! Putain! Il est chaud hein! Relevez-vous comme un homme! Oh bordel, il était juste à côté! Drake! C'est pas très gentil. Allez. Allez, viens. Putain. Ah merde. Derrière moi. Je sais. Mais non. T'es d'un pessimisme, le Zoran. Vraiment, ça me... Je te jure, c'est déprimant. Il aime pas du tout. Il aime pas du tout ce que je fais. Ah mais là je lui félicite la tâche. Elle est pas si grande cette map hein. C'est t'as pas beaucoup d'endroits pour te cacher non plus. Eh merde. Non, pas par là. Pas par là connard. Voilà. Non. Restez debout et battez-vous. Autant pour moi. Ah bordel! Non! Voilà! Let's ride! Let's ride! Let's ride! Première phase terminée! Amenez-vous. Bordel de merde! Au moins cette fois il court, hein, parce qu'à la fin du 1 remaster il n'arrivait pas à courir, c'était très chiant! Là c'est un peu plus jouable quand même! Bordel! Wouhou! Ok? Très bien! Ah bordel de merde. Se faire harceler. Ah ah. Drake. Allez. Ah bordel de merde. Ah bordel putain. Je vais vous écraser. Dis-le, qu'est-ce que tu crois que je fais, connard? Drake. Oh oh. Ok. Non, non, non. Hop là. Viens m'attraper. Bordel, à chaque fois que je passe là, je me fais niquer. Restez debout et battez-vous. Toi, reste debout. Merde. Plus de balles, trop de balles. Ah ah! Deuxième phase! Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Oui! Allez, phase 3. Ah, il n'aime pas du tout. Je lui ai mis mon pouce dans l'anus. Ah, et il n'aime pas du tout. Allez, relève-toi! Merde! Pas par là. Par là. Viens m'attraper. Ah oui, là je l'ai vraiment mis en colère. J'ai remis mon pouce dans l'anus et il l'aime pas du tout. Wouhou. Vous allez mourir ici. Allez. Nee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 
Battez-vous. Non. Il n'y a pas de fatigue qui soit. T'es où? T'es là? T'es là. Il est juste là. Ah, il est chaud, hein. Allez, viens par là, ma salope. Merde. Bordel. Putain. Non. Ah merde, putain, connard. Putain, il m'a chopé comme une pute. Non. Oh mais de que dalle, moi. Juste faire le tour, moi, en fait. Je sais pas pourquoi je me casse les couilles. Oh, 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 putain. Fais juste le tour. Voilà. Tu fais juste le tour et c'est bon. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Ah bah comme ça, oui. Amenez-vous. Non. Certainement pas. Tu vois, je cours plus vite que toi, et tu fais le tour à chaque fois. Relevez-vous comme un homme. Oh oh. Hop là. Viens m'attraper. Bon, changeons de stratégie. Oh putain. Pourquoi je le vois pas? Il est juste à côté de moi. C'est quoi ces trous là? Dans la jungle, terrible jungle. Ah bordel. Non. Allez, viens par là, ma salope. C'est un gros sac à PV quand même, hein. Énorme sac à PV. Putain. Ah bordel. On va te faire foutre. Oh putain! Viens! J'aime me battre. Ah, très bien. Bah comme ça, je suis plus loin. Bah, je m'en vais. Tu fais la même erreur que les méchants de film. Tu m'envoies trop loin. Trop près. Trop près de la résine. Merde. Restez debout et pas de... Non. Voilà. On va y arriver un moment peut-être. Vous n'irez pas contre votre destin. Mais mon destin, c'est de te buter. Il y a un moment où il va falloir l'accepter, quoi. Tu n'attendrais que je sois un héros de jeu vidéo. Pourquoi tu veux pas mourir? C'est une bonne question. Trop de PV. Trop de PV. Vous allez mourir ici. Absolument pas. Je sais même pas où t'es. Mais là, il y a tout qui s'écroule, c'est bon signe. Ouais! J'allais dire Johnson! Better run, better run, outside my gun! Des grenades maintenant! Ah oui, il en jette trois d'un coup!
Ah, il était juste derrière moi, apparemment. Ça y faiblit. Cet enculé commence à faiblir. Le problème, c'est les grenades. Oh putain! Ah bordel, il est juste derrière. Relevez-vous comme un homme. Non. Oui. Tu meurs pas. Mangez ça. Putain de sac à PV. Bordel. Ah bordel de merde. Je sais pas où je vais. Ah bordel. J'ai de la chance. Ah. Hey, c'est bon. Une balle, trop de balles. Wouhou. Lazarevitch. Fils de pute. Tu vas crever. Prenez pour un monstre. Mais vous êtes pas différent de moi. C'est vrai, combien de gens vous avez tués aujourd'hui? Combien d'hommes vous avez tué? Combien rien qu'aujourd'hui? C'est ça. 850. Pas de compassion, pas de pitié. Allez. Ouais, t'es le digne successeur de Lazarevitch. C'est bien. Non. Bravo. Non, j'ai de la pitié pour toi. Vous n'en avez pas la force. Peut-être pas. Mais aussi. Mais aussi. Oh oh. Et Lazarevitch fut roué de coups pendant les 3000 prochaines années. Wouhou! Allez, dernier couloir. Je sais pas pourquoi il garde son flingue. Ah! Allez, on y est presque. On y est presque, bordel de merde. Dernier mec. Waouh. Ah, c'était pas ce qu'il fallait faire. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Boum! C'est bon. Allez. Ah! Allez, il faut qu'on l'attende ici. Fini. Allez, ma chérie. Qu'est-ce que t'as foutu, Drake? Ah, tu sais, même chose que d'habitude.
Sauvez le monde. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ça, c'est fait. On a sauvé le monde. Ok. Tu la tiens? C'est beaucoup trop lent. Faut la porter. On y va. Voilà. Surtopé tout le chemin jusqu'à la montagne. Oh, Elena. Mais non, t'inquiète pas. Elena, t'inquiète pas, Drake. Tu sauves le monde, tu sauves la fille. Tu vas t'en sortir, ok? Mais oui. Tout va s'arranger. Elle ira beaucoup mieux dans le 3. Elena, ne fais pas ça. Elena. Get out of my... Joli Bill Bucket, Enzyme. Choukran. Bon. Ça a été un long et étrange voyage, tu crois pas? Ah, c'est ce que j'ai le lendemain matin. Non. Attends, 5. Le vrai 5. Oui, au début du jeu, j'avais envie de te faire des bisous, mais maintenant j'ai envie de faire des bisous à elle. Maintenant que je l'ai rencontrée par coïncidence au Pakistan, tu vois. Sully. Chloé. Hein? Non. T'as craqué au cigare? Hein? Mais avoue-le, le derrière va te manquer. J'adore les voir partir. Quel arc-en-ciel. Hé! Hey, regardez qui n'aurait pas dû quitter son lit. Tu te sors d'une station. T'es cul comme une mule. Sully, on t'a à peine vu. Je suis juste active. Alors, pas de saphir géant? Je le répète. Non. Non. T'es vraiment sûr? Ouais. C'est qu'une métaphore, Sully. C'est pas les métaphores qui vont t'enrichir, mon gars. Tu m'étonnes. Non, je trouve pas autre chose. Il suffit d'y croire. La route est longue jusqu'à la maison. Il suffit d'y croire, l'espoir fait vivre. Ah oui, parti, Chloé. Oh, aucune chance. T'es un vieux pervers, Sullivan. Hein? Je n'ai pas encore montré mon barreau de chaise. Et par bas autre chose, je veux dire ma bite. T'as bien fait, Nate. Oui, mais Carl Schaeffer, le mec qu'on a croisé pendant 30 secondes dans tout le jeu, quand même, il va nous manquer. Très d'accord. Pour être mort. Ouais. Ouais, je serais d'accord. Il y a quand même une cité avec une armée de soldats mutants qui vit au milieu du Tibet. Est-ce qu'on peut en reparler? Non. Je sais pas. Tant pis. Voilà. J'ai pas encore réfléchi. Bien sûr que non. On va se faire des bisous et après on verra. Évidemment, moi non plus. Au moins dans le 3 tu retrouves ta vraie voix. Bien. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu mesurerais ta peur que j'y reste? 4. 2. 4? Ouais, pourquoi 4. C'était 4 au moins 9. Ouais. T'étais au moins 8. Un 8. Carrément un 8. Un 8? Mais ces gardiens méritaient un 8. Non, mais tu te fous de moi. Ah non, c'était flippant. Alors c'est quoi un 10? Les clowns. Des clowns? Plutôt que ma mort? Je les clowns. Les clowns? Je... C'est pas vrai. T'as cru que j'étais morte? Non. Tu as cru que j'étais... Y'a rien de pire qu'un Joaquin Phoenix. C'est vrai. Je t'ai vu pleurer. Je maîtrisais tout. À part deux Joaquin Phoenix. Et pas qu'un peu. Pleurer. Mm-hmm. Donc ça veut dire un Joaquin Phoenix et un Jackie Lennon. Il faisait très beau et tu pleurais comme un veau. Il faisait pas beau et t'étais inconscient. Il faisait très beau et tu pleurais comme un veau. Oh. Les amis, je sens plus mes mains. Et c'est pas la branlette, hein, c'est Drake. Promis. Ah, oh, trophée obtenu, terminé, normal. Ah, oh, les chiens. Oh, putain de merde. Je suis épuisé. C'était vraiment chaud. Et il n'y a pas de musique parce que j'ai enlevé la musique. Attendez. Ah non, ça passe. Tant pis.
Oh, bordel de bordel. Vas-y, mets-moi la musique. Je t'autorise. Ouf! Et quoi en bonus? Waouh, incroyable. Mode de rendu. Waouh! Filtre next gen. Mon cul. Ah, ça c'est bien ça. Je joue en accéléré, ça c'est cool. Ralenti, c'est cool aussi. Mon miroir, mon inversé. Munition infinie, tir fatal. Pourquoi je l'ai pas ça? Enculé. D'accord. Pas de gravité, ça c'est cool. Mais ça rend le jeu presque impossible des fois. Skins. Drake Tony Jill. Drake Obese. Pour... Ah bah oui, d'accord. J'aime bien le fat Drake, moi. Je le trouve mignon. Ah oui, ça c'est cool. Tu peux avoir accès aux flingues que tu veux. Pff, niveau brutal. T'as le flingue de Eddie Raja. Intéressant. Je l'avais fait tout ça. Quand le jeu est sorti sur PS3, je l'ai saigné à blanc et je l'ai fini en brutal. Mais c'est dur. En brutal, c'est putain de dur. En brutal, ils sont tellement nombreux. Mais laisse tomber. Enfin bref. On a des jolis trésors aussi. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a bien? Une chimère. Une jolie chimère. Une chimère body. Une divinité colérique. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas écrit Made in China en dessous? Non, t'es sûr? Oh, enfin, on a fini ce putain de jeu. Pour les suites des aventures de Nathan Drake, on se retrouve très vite. C'est pour le début de Uncharted 3. Ça sera épique aussi. Au moins. Moi, je vais bouffer, je vais boire. J'ai très soif, j'ai très faim. Je prends du poulet, peut-être. On verra. Et on se retrouve aussi très vite pour la suite de God of War 3. Avec du Jean-Luc Godard Gaming et peut-être d'autres guests si vous êtes sages. Voilà, à la prochaine. Salut. Godard of War live.